Bon, allez. Ça marche peut-être. Oui, non, j'en sais rien. Si, ça a l'air. On va attendre un peu. Bon, allez. Bon, et bon, allez, c'est parti. Je règle ça. Ça en fout partout. C'est pas le moment. Là. Allez, c'est parti pour un petit Armello. Armello que j'aime beaucoup. Pour l'instant, je joue en partie solo. Quand j'aurai bien étudié le jeu, je me lancerai en partie multijoueur. Mais pour l'instant, je suis très bien tout seul. Nouvelle partie. On avait fait le clan des loups. On va faire maintenant le clan des rats avec Mercurio. Alors je représente vite fait, parce que je le fais tout le temps, c'est relou, mais il faut bien le faire. Donc plusieurs personnages avec des caractéristiques différentes, de la magie, du... Enfin, déjà c'est un jeu qui se joue avec des dés, avec des cartes, c'est un jeu de plateau. Le but est de tuer le roi qui va décéder petit à petit. Voilà, qu'est-ce que je peux dire? Des caractéristiques différentes pour les personnages. Donc plus de dés pour les combats, plus de vie. Présence d'esprit, c'est pour avoir plus de cartes. Et spiritualité, c'est pour avoir plus de magie. Après le reste, j'expliquerai en jeu. De toute façon, j'ai déjà fait d'autres vidéos. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Pas plus, à part que j'enregistre cette vidéo. Parce que sur le Twitch, ça sera pas en... En HD, j'ai pas les moyens, j'ai pas la connexion qui va bien. Je suis dans un trou perdu, donc je peux le faire qu'en qualité moyenne. Et je peux comprendre que c'est relou à regarder parce que c'est pas en HD tout simplement. Donc je vais la publier. Il me faut à peu près 2 jours pour publier 1 heure de vidéo. C'est pour dire la galère que c'est. Donc d'ici 2 jours, elle sera sur mon YouTube l'authentique. Voilà. Donc modifier l'attirail. Est-ce que j'avais gagné des trucs? Tac. Ça, c'est pour modifier quelques statistiques. Je crois que ça, c'était très bien. Présence d'esprit. Peut-être je vais le mettre en spiritualité. Il y a moyen de faire ça? Ouais. Je vais essayer d'avoir un personnage un peu complet. Confère furtivité et une épée dans les colonies. Est-ce que j'ai pas mieux? Ouais, non, en fait, y a pas mieux. Le dé, on va garder le dé des rats. Voilà, on enregistre. Donc j'aurai un personnage qui sera pas très fort au combat, du moins il aura pas beaucoup de dés, il en aura 4. Qui aura 5 de vie, qui aura 5 présences d'esprit, donc il peut avoir 5 cartes. Et 3 en magie. Normalement, je devrais jouer différemment avec les autres persos. Enfin, du moins avec... non, là, il y en a 2 les mêmes. On va prendre Barnabé. Tiens, plus grand ou plus petit. Allez, c'est parti. Donc, je devrais pas jouer pareil avec Mercurio qu'avec les deux loups, là. Qu'ils étaient plutôt axés sur l'attaque. Mercurio, je vais plutôt essayer d'avoir le plus possible de colonies. De faire mes quêtes pour pouvoir avoir des stats un peu plus complètes. Et puis j'aurai un peu de magie et des cartes en plus, des cartes pièges. Donc il va me falloir gagner beaucoup de sous pour pouvoir jouer les cartes pièges. Donc le roi qui est ici, qui va perdre de la vie petit à petit. C'est bizarre de dire toujours les mêmes choses. Mais il faut bien présenter. La quête que je vais choisir, qu'est-ce que je vais lui prendre à lui? Peut-être en magie, ça peut être sympa. Pierre d'esprit. Alors quand j'ai joué tout seul, j'ai gagné pour la première fois avec une victoire par pierre d'esprit. Non, c'était chaud ça, je le redirai pas 2 fois. On relève toutes les quêtes des héros, ça peut être intéressant. Ça. C'est chaud parce que je vais pas avoir beaucoup d'attaques si je vais pas là. Peut-être prendre un risque.
Je vais peut-être faire le fifou là. Je vais tenter ça. Donc je vais faire une quête pour avoir un peu plus de magie. J'aurai des stats complètes avec un 4, 5, 5 et 4 si j'y arrive. La quête elle est pas trop loin, mais elle est pas à côté non plus. Est-ce que j'y vais direct? Je pense que oui. Je pense que je vais essayer d'aller au plus vite. Donc je vais passer par un donjon. Donc j'ai pas expliqué, il y a des cases... Ah bah nickel. Lors d'une bataille, deux boucliers... Plus deux boucliers, le porteur. Ben ça c'est super. Donc là il y a beaucoup de choses à expliquer. Donc j'ai pas expliqué les terrains, carte terrain, enfin case terrain. Ça c'est un terrain neutre. J'avais 3 points d'action. C'est neutre, ça me coûte un point d'action pour me déplacer. Ça c'est une case forêt, pareil, ça me coûte qu'un seul point d'action. Par contre la nuit je suis furtif. Ça c'est une clairière, marée. Ouais, c'est une case marée. Ça me fait perdre un point de vie quand je vais dessus. Ça me coûte toujours qu'un point d'action pour y aller. En général, on les évite. Ici, c'est une montagne. Donc, montagne, ça me coûte 2 points d'action pour y aller dessus. Mais quand je suis là, je suis protégé. Enfin, j'ai plus 1 dé de défense. Et je pense que j'ai tout dit à part celle-ci. Ça, c'est le cercle de pierre. Quand je vais dedans, c'est toujours un point d'action pour y aller. Quand je vais dedans, je gagne 1 de santé. Donc j'utilise mes 3 points d'action pour me déplacer le plus. Après j'irai là, là et là pour faire ma quête. En plus lui il faut qu'il dégage parce qu'il va me gêner. Et je me suis pas équipé, je suis un teubé. Donc je vais le faire maintenant. Donc ça je le mets là. Et ça je le mets là. Donc ça me coûte une pièce pour m'équiper. Et ça après je m'en fous, je verrai plus tard. Donc j'ai pas vu qu'est-ce qu'ils ont fait les autres. Parce que je me suis pas équipé au début. Donc ça c'est Tan, c'est le bourrin lui. Lui il fonce tout droit, il fracasse, il a plein de dés pour attaquer, il a 7 dés. Je crois que c'est 7. Elle c'est Sana, je crois qu'elle utilise plutôt la magie. Le roi qui... Ah, une pierre. Le roi qui va prendre un point de déclin. Donc en gros, c'est un peu de la folie. Et qui, le jour, va perdre un point de vie. Est-ce que je vais prendre des objets? Je vais même pas regarder. Bon, c'est pas grave. Moins un point d'action et 3 boucliers. Ah oui. Ah oui, grosse défense, là. Tout ce que j'aime. Par contre, ouais, oui et non, là j'ai fait n'importe quoi, j'aurais dû la mettre après celle-là. Pas grave. Et oui, parce que du coup j'ai que 2 points d'action. Lui, il a toujours pas bougé ce con. Bon, ben c'est pas très grave. Donc là, je suis furtif parce que c'est la nuit. Terroriser les colonies. Éjecter la garde royale. Elle est pas sur une colonie celle-là. Ça, je garde. Ok, oui, j'ai un peu subi soin de santé. Ça, je m'en fous. Qu'on fait esquive. Ouais, bon, après, ça, je m'en fous. Bon, mais je vais récupérer la colonie qui me fera gagner une pièce d'or chaque jour. Et je vais partir en direction de mon objectif. Donc Barnabé, il doit être... s'il est furtif, c'est qu'il était sûrement dans une forêt, comme là. Donc là, on sait pas où il est. Alors là, il tombe sur un péril. Donc il faut qu'il ait les symboles correspondants. Sinon, il sera téléporté vers le donjon le plus éloigné. Et donc là, il a pas réussi. Il va disparaître. Et réapparaître dans un autre donjon. Pas de chance à côté de lui, il a un fléau qui l'attaquera sûrement. Lui il est dans un donjon, donc il a fait le donjon, il a gagné des pièces. Là il est furtif. Et il a fini sa quête qui était sur une colonie. Donc il finit la quête, et il a un point de prestige et il prend la colonie.
Donc les points de prestige, si vous suivez, vous savez que c'est une des manières pour gagner la partie. L'autre étant de tuer le roi, de le tuer par déclin aussi, et de le soigner avec des pierres. Pierre de soin. Lui, il est champion de prestige, donc il va pouvoir choisir entre deux décrets. Il choisit celui-ci. Les inquisiteurs du roi réalisent des... Les inquisiteurs du roi réalisent des inspections dans tout le royaume. Tout héros avec du déclin subit moins 1 de prestige. Donc là, il y a baston entre le déclin et la garde royale. C'est plutôt en faveur de la garde royale vu le nombre de dés. Donc la garde royale a tué le déclin, mais a subi un point de santé. Lui, il s'est barré, donc il va me laisser la place pour faire ma quête. Je pense qu'en objet, je suis calé. Je vais plutôt prendre une carte sort, vol un point de santé. Vol un point de santé sauf si la cible est protégée par des remparts en pierre. Donc c'est pas mal, mais le problème c'est que ça m'apporterait un déclin. Et les déclins, je vais éviter d'en prendre. Donc on va... je sais pas faire grand chose. Plus de santé pendant 2 tours. Ouais, pour l'instant j'en ai pas besoin. Je finis ma quête. Alors là, ça va être très très chaud, parce que pour essayer d'avoir cette carte, je suis bête, moi j'ai pas pensé. J'ai que 30%, parce que j'ai 3 de magie, donc en gros on multiplie par 10, quoi, ça me fait 30%. D'y arriver, si je me loupe, je perds un de prestige. Donc du coup, pour l'instant j'ai pas de prestige. Donc on va voir ce que ça dit. Normalement, même si je perds, c'est pas grave, parce que j'ai pas de prestige. J'ai perdu. Donc est-ce que je vais avoir moins 1 de prestige? Ça compte comment? Mais en fait, j'ai gagné 1 de prestige parce que j'ai fait la quête et je l'ai reperdu aussitôt parce que j'ai pas réussi là. L'espèce de... pas pile ou face, mais les 30%. Vu que je suis là, je vais essayer de conquérir cette colonie. Et si je me loupe, on vole 2 cartes dans ma main. Donc 2 de ces cartes-là. Donc plutôt que de me les voler, je comptais les brûler, mais j'ai pas de symbole qui correspond. Donc je vais essayer de faire ça avec les dés. Ça m'étonnerait que je tombe dessus. Si, bon, mais très bien. J'ai passé le péril. Et je suis furtif parce que je suis dans une colonie, ça c'est une de mes capacités. Donc ça fait que personne ne me voit. Et je finis mon tour. Je vais choisir ma quête. C'est quoi ça? Ça c'est peut-être pas mal. Trouver plus d'or et de magie quand vous explorez. Présence d'esprit, ah ouais, là je serais calé là, mais bon, je vais quand même prendre ça. Je vais essayer de prendre un point de bataille en plus là, avec des dés, un point de combativité, ça s'appelle, ou combat. C'est quoi cette lueur rouge là? Donc le roi qui prend un point de déclin et des fléaux qui apparaissent un peu partout. Donc là le fléau, il a récupéré un dé parce que c'est la nuit et la nuit il joue un dé de plus. Comme les loups, et je crois moi aussi, les rats aussi,
Et le jour, c'est les lapins et les ours qui gagnent un point de... Enfin, un dé en plus. Alors, c'est à moi de jouer. Ouais, mais lui, je sais pas trop où il va aller. J'aime pas trop ça. Ah, je suis à côté, là. Je suis pas loin. Je suis à côté. Je suis à côté, mais je veux... Je pense qu'il va venir prendre ma colonie. Il a sûrement une quête à faire par là, mais au passage, il va prendre ma colonie. Me battre avec lui, ça risque d'être chaud. Ah non, il a pas 7 points de combat, il en a 5. Un, deux, et après, il me faut 2 points pour aller là. J'ai pas trop le choix, en fait. J'ai pas trop le choix. Pas sûr que ce soit très bien joué ça. Donc là je suis visible, il y a de grandes chances qu'il m'attaque. Bon après j'ai de la défense. Hein. J'ai beaucoup de défense. Je peux pas lui balancer 2-3 trucs là. Terroriser la colonie, ça je m'en fous. Les héros qui échouent sur un péril subissent moins 1 de santé. Oui mais j'ai pas de péril. Plus de 2 santé par tour. Je sais pas trop comment jouer la chose. Ah ça je veux pas le jouer sinon je vais avoir du déclin. Terroriser la colonie et éjecter la garde royale. Faudrait que je le fasse sur son truc là. Ça va me coûter 2 pièces d'or, mais j'en ai 4 donc c'est bien. Je lui ai fait perdre en fait son point de colonie. Et puis on va s'arrêter là. Barnabé, il s'est caché. Et il sort de sa cachette. Et il revient dans une autre cachette. Il fait du cache-cache. Lui m'a fait voler un point de santé. Donc il m'a volé un point de santé. Donc forcément il a pris un déclin. Il devra aller là, je pense. Puisque là c'est un marais, il va peut-être pas y aller. Et vu qu'il est furtif, il peut peut-être essayer de récupérer les cailloux. J'aurais dû faire ça aussi peut-être. On l'a pas vu donc il est resté dans la... Ah, l'autre il pique mon truc. Ah, il y a du monde là. Moi ici. Par là il doit y avoir le loup. Donc le roi qui perd un point de santé et qui prend du déclin, ça va vite. Hein. Il a déjà 3 de déclin. Le champion de prestige, c'est le loup. Qui va choisir un décret. Merde, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, j'ai cliqué, j'ai pas compris. Pourquoi j'ai eu ça? Plus 1 spiritualité, plus 2 magie à chaque aube. On va laisser se battre. Pendant ce temps, je vais lire le décret. Qu'est-ce que c'était? Le roi décrète soutenir le héros, parti perdant. Le héros avec le moins de prestige reçoit un trésor. D'accord, donc c'est pour ça que j'ai reçu cette carte. Finalement, ça a été bénéfique pour moi. Bon, je vais les laisser se battre tranquille. Lors de la bataille, plus 2 boucliers. Moi, je pense que c'est pas trop mal. Lors des périls, plus 1 dé. Je vais mettre ça à la place. Plus 1 spiritualité et 2 magie à chaque aube. C'est vraiment pas mal. On n'a pas vu le combat entre le fléau et les gardes. Visiblement, c'est le garde qui a gagné. Je vais aller à ma quête. C'est bien, j'avance vite. J'avance vite. J'ai 40% de réussir. Parce que j'ai 4 en combat. Donc je vais le tenter. Hein. En général, dès que je suis au-dessus de 40%, enfin à partir de 40%, je tente. Si je perds, bon, ben, je perdrai un point de santé, c'est pas grave. Si je gagne, je trouverai plus d'or quand je partirai explorer des donjons. La roue tourne et tournera. Et j'ai perdu, pas de chance. Donc, moins un point de santé et j'ai pas la carte.
mais j'ai quand même gagné mon point de combativité, fait de combat, et mon point de prestige. Bon, après, pour le reste, c'est pas très grave, parce que où que j'aille, ici, je gagnerai un point de santé, et là aussi. Donc, je récupérerai mon point de santé. J'ai toujours de la magie, au cas où. On est pas mal. Est-ce que je peux faire quelque chose? Non. Non. Je peux pas faire grand-chose. On continue. Barnabé. Il y a beaucoup de monde qui descendent là. Ils vont venir chez moi. Hein. Voilà, lui va me piquer mon dernier truc. Il est relou. Lui, il récupère le caillou magique, la pierre d'esprit. Et il fait chier parce que du coup, je peux pas aller là-bas. Elle, je sais pas trop où elle va aller. Ah, il y a quelqu'un qui a joué à un péril là. Donc le roi qui devient fou. Des fléaux qui débarquent. Et moi j'ai ma quête à choisir donc. Est-ce que je prends plutôt de la magie? Plus en combativité et les cartes de bouclier se chargent en symbole d'épée. C'est un peu chaud ça. Lame du fléau. Ouf, lors d'une bataille, plus 4 dés. Après chaque bataille où vous n'ayez pas tué votre adversaire, vous recevez moins un point de santé. Ouh, c'est grave ça. 4D. Ouais, mais j'ai déjà plein de cartes, de bonnes cartes. Je vais prendre ça plutôt. Si j'y arrive, plus c'est quoi? Ouais, j'ai 50% de chance. On y va. Je vais pas m'équiper parce que j'ai déjà pas mal de cartes. Carte piège, j'en ai pas beaucoup. Enfin, carte ruse. Vous obtenez explorer pour l'autre membre du parc. Tout ça, je m'en fous un peu. Lui, il va me gêner. Un point de santé par symbole. Ça me saoule, ça. Je sais pas quoi en faire. J'ai pas tellement de cartes que je peux jouer, là. Ah, lui va me gonfler. Est-ce que je le défonce? Parce qu'il a déjà 6 dés. On va se faire mal pour rien. Je vais pas le défoncer, je vais passer à côté. Ouais. On va aller se cacher. On va se cacher, je joue pas beaucoup de cartes là, c'est pas tip top tout ça. Mais bon, j'avance plutôt vite dans mes quêtes. Pourquoi il fait une espèce de demi-tour lui? Lui il fait sa vie, c'est très bien. Il prend un petit point de santé. Enfin, il perd un point de santé parce qu'il est passé dans le marais. Ça veut dire que le mec il a pas le temps, il trace tout droit. C'est en général ce qu'il faut faire avec ce perso, faut pas s'embêter. Il est assez costaud, il a beaucoup de dés. Il réussit son péril, donc il lui arrive rien. En plus il a bien calculé son coup, parce que là il a des... Il a de quoi se remettre de la vie. Ah, il y a du monde à côté de là où je dois être. Allez, le roi qui perd un point de vie. Il a déjà presque la moitié. 3 de prestige. Eh ben, je suis loin en prestige, moi. Jusqu'à la prochaine aube, le roi impose des taxes de transit. Et j'ai pas lu. De 2 ors. Pour rentrer dans les colonies. Ah bon.
Ça m'arrange pas, ça m'en fout. Ah ouais, d'accord. Donc je suis obligé de perdre. Ah là là, fait chier le roi. Ah lui, il a full vie. Genre pour rentrer chez moi, faut que je paye 2 ors. Pas cool là. Qu'on fait esquive jusqu'à la fin du tour. On n'a pas besoin de ça. Sinon ça me fait faire un détour de ouf là. Ah je vais y aller hein, mais petit à petit quoi. Bon mais tant pis. Je vais perdre un point de vie. Je joue pas très bien, il faudrait que je dégage mes cartes, c'est pour ça que je vais passer dans le donjon. Pour pouvoir changer de carte. Les utiliser et changer de carte. Alors lui il a pas mal de dés pour faire un seul symbole et il a pas de chance. Donc il va être exilé. Bon ça va, il est juste à côté. Voilà, lui il fait sa petite quête. Ah, il est dangereux lui, il avance. Hein. Il se met un point, il fait sa quête. Pourquoi il va sur un péril, il se passe rien. Ah si, il se passe, mais on ne pouvait pas voir, il était furtif. Elle, elle fait sa quête. Ça passe pas grand chose niveau combat là. Chacun fait sa petite vie. Chacun fait ses quêtes. Qu'est-ce qui se passe? Il a fait quoi le roi? Il a posé des périls. Fléau qui apparaît. Il y a beaucoup plus de bastons avec les gardes et les fléaux que entre les personnages. Allez, battez-vous là. Les deux sont morts. Ça fera du nettoyage. Bon allez, je vais essayer de dégager mes cartes. On est la nuit, donc je pourrais dégager celle-là. Celle-là, je pourrais pas. Ouf, toutes les cartes de la main de la cible se changent en symbole déclin. Pas cool ça. Qu'est-ce qu'il faut que je dégage là? Si, celle-là, très bien. Ah merde, j'aurais pu dégager celle-là. Impeccable. Pas de péril, nickel. Et un peu de magie. Un peu beaucoup même. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec toute cette magie? Je vais pouvoir jouer ça. Hein. Je récupérerai mes points de vie. Ça me fera dégager des cartes. En passant par là, je récupérerai ça et je partirai, je continuerai mon chemin. Barnabé, Barnabé, il va tenter de récupérer la colonie. Et s'il n'y arrive pas, il va falloir qu'il se déséquipe de tous les objets. Mais il se soucie pas de ça, il réussit. Donc il récupère la colonie. Et s'il passe par là, il va m'attaquer. Mais non, il passe pas par là. Il repart chez lui. Très bien. Enfin, très bien, oui, non, faut pas trop qu'il aille vers là-bas. Le Tan, il est furtif. Le Tan, il met des tatanes. Là, pour l'instant, il n'y a pas trop de combat, mais... Donc il est furtif, non, il est plus furtif, il est passé là, il a récupéré de la vie. Il se met bien lui. Hein.
elle a fait son petit bonhomme de chemin en ligne droite. J'ai beaucoup de magie. 5 de prestige. Jusqu'à présent, sur toutes les parties que j'ai fait contre l'ordinateur, j'ai très très souvent gagné. Mais je me suis jamais retrouvé avec si peu de prestige à ce niveau de la partie. J'ai pas vu ce qu'il a fait, lui. La cupidité et le dédain... Ouais, mais attends, laisse-moi lire. La cupidité et le dédain sont monnaie courante pour chaque tranche de 3 or en sa possession. Le héros perd 1 prestige et gagne 1 or. Ouais, donc du coup, j'ai plus de prestige. Et vu tout l'or que j'avais... Ok, bah j'ai plein d'or, donc je vais pouvoir prendre pas mal de cartes ruses. Moins 2 de santé et plus 1 de déclin si la cible est tuée. Mais pour ça, ça coûte 1 prestige. J'en ai pas... Voler 2 cartes dans la main de la cible. C'est pas ouf, hein. C'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Bon, mais je vais récupérer ça au passage. Merci bien. Je lui vole une pièce. Ça, c'est ma compétence de rat. Et je vais le suivre. On verra bien ce qu'il fait. Et je peux pas lui balancer des trucs. Lui voler 2 cartes dans la main de la cible. Ça pourra l'emmerder, ça, si jamais il veut m'attaquer. Allez. Donc, je vais voler cette carte. Il devait en avoir qu'une, sûrement. Pacte or. Plus 1 or par tour. Qui c'est qui est pété d'oseille, ici? Hop, c'est pas là. Qui c'est qui est pété d'oseille? Moi j'en ai 10, 4, 1, 6. Je vais aller voler celle-là là-bas. Donc elle me fera... C'est ça, hein, je pense qu'elle va me donner 1 or par tour, si je ne me trompe pas. Et je finis. Barnatebe, il fait quoi? Ah ouais, d'accord, je vole sa truc, il vole la mienne. Cette bonne guerre. Ah bah, il avait sa quête à faire en plus. Il a sûrement un truc important à faire par là, parce qu'il se prend moins 1 point de santé. Ah, ça va peut-être bastonner. Tan. Non. Il n'y a pas de bagarre, hein. C'est une partie cool, gentille. Qu'est-ce qu'il fait, le roi? Il balance du péril. Ah, tu vas où, toi? Tu vas aller là? Eh ouais, c'était sûr. Toi, tu vas aller ici. Ah, c'est pas très dérangeant. Le temps que j'arrive là-bas. Qu'est-ce que c'est ça? Téléportation du fléau le plus proche sur la case. Ah ouais, mais si je la joue, je prends ça. Non, merci. Moins 2 de santé. Y'a pas quelqu'un que je peux tuer là? Non. Bon, bah tant pis. On avance, en ligne droite, on se cache, invisible. Ah, c'est la partie cool, hein. Tout le monde fait de sa petite vie, sans bagarre, sans rien. C'est plutôt pacifique. Bah, il fait chier, lui. Ah, mais voilà, petite baston. Alors là, l'avantage, il est clairement pour Tan. C'est pour ça que je voulais éviter de me battre avec lui tout à l'heure. Parce qu'il est légèrement chaud, lui. Donc déjà, il prend aucun dégât. Pas de dégâts aucun, les deux. C'est bon.
coup, il fait quoi? Il va carrément chez le roi. Donc là, même principe, un péril. Est-ce qu'il va le passer? Eh, il a un dé de le passer, loupé. Il va être expulsé et il va perdre un point de santé. Il est tendu, lui. Il a vu qu'il n'y avait pas de garde. Ah, et ce coup-ci, c'est Sana, l'ours, qui a beaucoup de défense aussi. Mais qui prend quand même le risque d'attaquer Tan. Bon, elle s'en fout, elle a pas mal de défense, elle risque pas grand-chose. Par contre, ça tape dans le vide, hein. Il se passe rien, personne ne se blesse, là. Ça lâche pas l'affaire. Elle s'obstine à vouloir la tuer, ou en tout cas blesser Tan, mais je pense qu'elle va manquer de dés. Elle a que 3 dés pour faire quelque chose. En plus, c'est des dés qui se mettent en défense. Ça va faire encore un coup dans l'eau. Ah, c'est marrant parce que ça doit faire peut-être 15 parties que je fais. Et il n'y a pas de parties qui se ressemblent en fait. Hein. Des fois c'est... Il y a beaucoup de combats. Là sur cette fois-là, il n'y en a quasiment pas et puis ça sert à rien. Personne se fait mal. Des fois il y a des fléaux de partout. Bon, il y a une bagarre entre le fléau et la garde royale. Allez, balancez les dés là. Voilà, normalement un avantage à la garde. Ah, ça a piqué. Bon, il faudrait qu'il se bouge lui là. Il faudrait qu'il se déplace vers là. Qu'est-ce qui se passe? Il va où lui? Hop. Et oui, il va protéger le roi. Eh merde, il s'est pas déplacé ce con. J'ai plein de sous. Je devrais en profiter. Encore? Plus un prestige par tour. Sort. Moins un point d'action et 2 cartes dans la main de la cible. C'est pas nécessaire. Plus 1 de déclin et 1 carte aléatoire. Ouais, c'est pas ouf. Voler 2 ors si la cible est explorée. Oh, mais ça, je m'en fous. Je voulais un truc qui tue. Pacte. Si un adhérent du pacte attaque l'autre partie, il sera considéré comme traître. Eh ben, tu sais quoi? Je verrai bien un pacte sur lui parce qu'il est chaud. Donc, toi, tu m'attaqueras pas normalement. Pickpocket. Qu'est-ce que tu veux que je te vole 2 ors? C'est qui a le plus d'or là? Toi t'en as 7, toi t'en as 1. Bon, bah comme ça c'est réglé. Impossible. Pourquoi impossible? Ah bon? Impossible. Bon. Là. Un point d'action, moins 2 cartes dans la main de la cible. Qu'est-ce que tu veux? Ça aussi, ça va être impossible. Ah ouais. Je dois être trop éloigné. Bon, par contre, lui, il me fait chier, le fléau. Là. Il me fait chier de ouf. Impact plus un prestige par tour. Putain. Ah, ça vaut peut-être le coup aussi, mais à qui? Peu importe. Qui c'est qui a plus de prestige ici? Prestige, j'en ai donc 0, lui il en a 1, 3 pour lui, 5 pour lui. Waouh. Vas-y, bah... Je vais bien lire, mais... Un pacte est formé entre les joueurs de la carte et la cible et reste actif jusqu'à la mort de l'un des deux membres.
techniquement, lui, il va pas mourir de suite, hein. Il est chaud. Ouais. Pacte d'alliance. Bon, et ben... Je vais être obligé de attaquer le fléau, j'aime pas trop ça. Mais il est sur ma case. Moi j'ai pas le time. Heureusement que j'ai beaucoup de défense. Je pourrais mettre ça. Ça me ferait un point de défense, mais le but c'est quand même de le tuer. Donc on roule les jeunesses. Là maintenant il faut des cartes, des dés pour attaquer. Ce sera pas suffisant. Tant pis, je rattaquerai après avec ma défense de fer. Même pas besoin, mais je vais quand même le tuer. On avait dit. Attends, j'ai des trucs là, c'est quoi ça? Détecter le poison. Piège caché. Qu'est-ce que c'est ça? Sur le campement des bandits, trois coupes de vin attendent sur une table, deux entre elles. Explique, le bandit contient du poison. Qu'est-ce que c'est ça? Bonus d'histoire. Moins un point d'action et un point de santé. Non mais je veux pas la carte, je m'en fous. Non, je vais tenter ça. Allez, j'ai pas eu de chance deux fois d'affilée là. Je vais peut-être réussir. Je choisis là. Oui, j'ai ma carte. Du coup, je devrais être un gros bourrin là, si je me trompe pas. Lors d'une bataille, plus un combativité et les cartes de bouclier se changent en symbole épée. C'est cool et moins cool parce que... J'ai combien de vie? Ouais, j'en ai beaucoup. Je vais le tenter, voir ce que ça dit. Je sais pas si je fais pas une boulette, mais voilà. Donc ça fait que là, je devrais le fracasser, le martyriser. Ouais, mais plutôt que de le fracasser, je vais aller là. Voilà. Et je peux plus jouer. Je sais pas si je fais pas une boulette. A voir. Barna Teubé, je sais pas trop où il va aller. Pendant ce temps, je vais chercher ma quête. Et je vais prendre... Pierre d'esprit, j'en veux pas. Barde. Puissant prestige, avoir échappé à un péril. Allez, ouais. Comme ça, si j'y arrive, j'aurai plus ça en combat. Alors lui, il est tendu, hein. Il va absolument déglinguer le roi. J'ai pas vu le résultat. Le résultat, c'est qu'il a fait fuir. Il a fait fuir le garde, et maintenant, il est en bonne position. Il est très très chaud le type, mais ça suffit pas, il va continuer à perdre un point de santé. D'ailleurs il est mal barré là. Je pourrais peut-être essayer de le tuer. Ah non, il avait fait un pacte avec lui. Ah, j'avais fait un pacte avec lui, donc c'est pas la peine que je le tue. Surtout qu'il pourrait mourir là. 1, 2, 3, non, ça suffira pas. 3, 4, peut-être celui-ci. Non. Ah, c'est très défensif cette partie. Hein. Ça se lâche pas, mais ça sert pas à grand-chose en fait. Tout le monde a des grosses défenses. Ça fout un peu des coups dans le vent. Là, ça pourrait suffire. Non, toujours pas. Toujours pas. North of the night sky, they arise.
Alors c'est pour ça que je suis venu, j'étais sûr qu'il allait m'attaquer, puisque de toute façon, le but des fléaux, c'est d'attaquer les colonies, et j'étais sur une colonie, donc il allait forcément m'attaquer. Y a pas des cartes que je veux pas là. Non, bah allez, c'est parti. Alors là, je vais voir ce que ça veut dire, ce que les dés se transforment en carte attaque, j'ai pas trop compris. Pourtant, il y a quand même du blocage. J'ai pas bien compris la carte Berserker. Là. Donc j'ai plus 100 de prestige. Très bien, alors attends, je vais voir un truc moi. J'ai que dalle en prestige, ça va être chaud de gagner une victoire par prestige. Mais lui il a rien non plus, lui il en a toujours un de plus que moi. Pff, lui il en a deux de plus que moi. Piège, hein. On va piéger, déséquiper tous les objets, très bien. Voler dehors si la cible est blablabla, ça c'est pareil. Un autre piège, hein. On va tenter. Difficulté du péril, moins 1. Ah, il fait chier lui, je vois aller là. Récupérer ça. Du coup, je vais pas l'attaquer. Je peux même pas passer par là. Il y a trop de monde. Je pourrais, mais... Je pourrais tuer elle. Hein. Oh putain. Comment ça marche cette histoire de... Là, lui, il a une prime. Je deviens un traître si je l'attaque. Je gagne un prestige par tour. Ouais, donc non. Je peux pas l'attaquer, lui. Bon, je peux toujours attaquer lui. Ouais, bah lui, il a beaucoup de défense. Pop, 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 pop. Le détour que ça me fait faire. Là, j'essaie de trouver la meilleure manière de gagner. Je pense clairement ça va pas être par le prestige. Prestige, c'est foutu, je pense. Par contre, je vais essayer de rentrer. Tuer le roi, là, ça va pas être un peu chaud, ça. Ça risque d'être très très dur. Hein. On va tenter. Honnêtement, je sais pas si c'est un bon délire. Entrer dans le palais. Franchement, je sais pas si c'est pas de la merde. Alors. Il faut que je fasse ces symboles à la con. Donc il y a quoi? Wild, je l'ai pas. Celui-là, je l'ai. Celui-là, je l'ai. Celui-là, je l'ai pas. Celui-là, je l'ai pas. Le soleil, je l'ai. J'ai pas eu le temps. Ouais, je suis dans la merde. Vas-y. Putain. Je perds une vie en plus. Le soleil, quoi. Celui que je voulais balancer. Ah, ça va être chaud. Ça va être chaud. Fait chier, je serais rentré, là. Et merde. Allez, Barnatebé. Où c'est qu'il va, lui? Je pensais qu'il allait m'attaquer. Donc, il est soit là, soit là, soit là. Ok, ça, c'est fait. Putain, là, je suis mal barré. Je vois pas comment je peux gagner. Bon, qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Comme d'hab, hein. Il s'acharne. Il va y arriver à force. Toujours pas. Donc, il est mort. Il est dead. I am the one true king. Ha, c'est chaud.
C'est chaud. Baston entre les deux. Je crois que les deux ont de la grosse défense. Très bizarre cette partie. Très 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 défensive. Ah, ça servira à rien. L'autre, l'ours, c'est un tank, l'ours. Pop, 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 pop. Ah, comment je peux faire maintenant? J'ai une prime en plus. Oui, oui, oui. Ah bah oui, j'ai voulu rentrer dans le château, donc j'ai une prime. Le roi ordonne à ses gardes de chasser tous les héros sous le couvert de l'obscurité. Bon, en gros, je connais la carte, ils vont nous déglinguer. J'ai quoi en magie? Moi, je vais tenter une magie. Toutes les cartes de la main de la cible se changent en symbole bouclier. Ça sert à rien, ça. Après chaque bataille, voler un or, blablabla, ça me sert à rien. Du tout. Est-ce que... Ah, il y a un moment, il va falloir y aller, hein. Si les deux, je pourrais pas les tuer, ils ont trop de défense. Je vais faire... Tac. Récupérer un point de vie. Rentrer dans le château par effraction. Vas-y. Est-ce que je vais y arriver? Alors, est-ce qu'il faut ça? Il faut pas ça? Est-ce qu'il faut ça? Il faut pas ça? Est-ce qu'il faut ça? Il faut pas ça? Il me faut une carte comme ça. Il me faut une carte comme ça. Et ça craint, j'ai pas les autres symboles, quoi. Putain. 3D pour deux symboles. Que j'ai pas, donc je perds deux vies. Pop, 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 pop. Bah, ça va, je récupère. Je reviens où je suis. En fait, je suis bien, là. Je peux tenter... J'ai que ça à faire de toute manière. Je gagnerai pas par prestige. Ils en ont trop. À la limite, il faudrait qu'elle meure, elle, ça m'arrangerait. Comme ça, je me démerde en tuer un autre. Il faudrait qu'elle meure, elle, en fait. Trace au combat. Combat de tank. Mais c'est pas possible, c'est quoi ce combat, quoi? Toute la partie, c'est que ça. Ou alors je tue les deux, hein, mais c'est chaud. Et je passe numéro 1 en prestige. Il a 4 en prestige, j'ai 3. Putain, je sais pas quoi faire. Ils font que ça, ils sont même pas mal, quoi. S'ils s'affaiblissaient encore, je pourrais les attaquer en traître. Ah ouais, les mecs, trop de défense, là. Le seul qui a pas mal d'attaque, en tout cas qui a beaucoup de dés, c'est le loup. Il n'y a que lui qui peut faire mal. D'ailleurs, ça me fait peur, parce que s'il arrive... il pourrait avoir une chance de déglinguer le roi. Ah, ça sert à rien ces combats là. Pop, 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 pop. Eh ouais, mais vous pouvez faire ça toute la journée, hein. Vous avez trop de défense. Ah. Blessez-vous au moins. Tombez que sur des cartes attaque. Enfin, des dés attaque. 1, 2, 3, encore un dé, attaque, voilà. Là, tu vas faire mal, un petit peu. Ah, t'as combien de vie, toi? Moi, t'es un tank, je peux pas te flinguer. What a night.
quel merdier. Il a con. Moi, je vais pas regarder le combat. Je vais essayer de réfléchir. Oh là là, en plus, ils sont tous dans les forêts. Donc, si j'attaque, je pourrais pas me servir de mes cartes parce que je me ferais embusquer, quoi. Donc, c'est pas la peine que j'attaque. Bon, ben, pour ce tour-ci, je vais encore tenter de rentrer par effraction. Je suis à 2 kills de passer premier en prestige. Ça qui fait chier. Je peux en plus, hein, mais... Remarque, si je meurs, j'atterris là. Et en 3... En 2 tours, je suis là. Non, plus 3 tours. Ouais. Les héros qui échouent sur un péril subissent moins 1 de santé. Rien à foutre. Plus 2 combativité et une présence d'esprit jusqu'à la fin du prochain tour. Ok. Ah, jusqu'à la fin du prochain tour. C'est des bonnes cartes, hein, mais je vais en avoir besoin si je veux passer. De toute façon, je peux pas tuer les gens. Putain. Plus 2 combativité. Je sais même pas comment je pourrais déglinguer le roi, sans déconner. Pff, je suis mal. Ah, vas-y, je vais essayer de rentrer, mais je suis mal. Quelle merde! Allez. Ah, en plus, je me bats contre lui. Ouais, je vais pas gérer, là. Je vais le garder, ça. Au pire, il me fera mal, mais il peut pas me tuer. Enfin, rien du tout. Oh, ce jeu défensif là de tout le monde. Abusé. C'est la merde. J'ai perdu un prestige ou pas? Non, c'est quand tu tues le roi, quand tu tues le garde, ça. C'est la merde! Il est où lui? Il est là-bas. Ah, je suis con, j'aurais pu tuer des fléaux pour gagner du prestige. Ah, là il va y avoir un combat. Ça va pouvoir... Peut-être y avoir un... Oh, tout ce qu'il a comme défense, il va y avoir un décès peut-être. Même pas sûr. Ouais. Ça fait quoi ça? Moins 2. Putain. Est-ce que j'irai pas plutôt essayer de le tuer lui? Ah, il lâche pas l'affaire, lui aussi il veut le déglingue. Hein. Surtout qu'il faudrait qu'il meure, lui. Lui, il a du prestige. S'il meurt face au roi... J'ai même pas vu ce qui s'est passé, là. J'étais dans mes pensées. Ça fait le prochain coup, il va taper le roi. Le prochain coup, le roi n'aura qu'une vie. Ah, quel merdier. Lui aussi il a perdu une vie. Aïe 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 aïe. Comment? 4 prestiges, c'est ça?
Bah non, lui il en a plus encore. Tous les gardes royaux du palais désertent. Oh là 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 là. Tous les gardes du palais désertent. Donc c'est le champ libre pour qui veut attaquer quoi. Qui c'est qui a du prestige là? Prestige 3. Prestige 3. Prestige 4. Oh putain, prestige 6. Il faudrait que je déglingue lui, mais ça. Je vois pas comment je peux faire. Combativité. Plus 2. Toutes les cartes de la main changent, on s'en fout. Difficulté du péril. Pop, 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 pop. Là, j'en ai que 3. Imaginons je tue lui, ça me fait 4. Ou j'essaye de rentrer, en espérant que lui meure. Lui il saoule l'ours là, il a trop de vie. Jamais je le tuerai. Ah, c'est chaud. Allez, il faut quoi là? Toujours pareil, ça, un dégagé, wide, mais je n'ai pas. Ça, je l'ai. Putain, mais j'ai pas ce qu'il me faut, hein. J'y arriverai toujours pas, hein. Vas-y. Oh, c'est passé, quoi. Prochain tour. Il faut que je déglingue le roi, si lui le fait pas avant moi. Passé là. Barnate B qui s'approche. Comment il a gagné un prestige lui? Allez. Bataille. Oh là là. Il a pas beaucoup de déclin. Allez, le roi, faut qu'il gagne. Faut que le roi, il gagne. Surtout qu'il meurt pas. Parce qu'il a qu'un point de vie. Ça va être super chaud. L'autre, il est trop chaud défensivement. Chaque jet de dé qu'il loupe, c'est pour le roi. On voit qu'il a un OP2. Donc le roi, il récupère les 2 dés. Il a tué le roi, le bâtard. Qu'est-ce que c'est, ça? Le roi, il a fait de la merde. Bon, mais c'est le loup, le champion. Ouais, GG, hein, il a persévéré le loup. Pas mal. C'était une partie assez chelou, très défensive. Mais franchement, c'était pas mal, c'était tendu jusqu'à la fin. J'ai fait beaucoup de parties où j'étais bien du début ou jusqu'à la fin. J'avais beaucoup de points de prestige, tout ça. Et ben là, c'était pas du tout le cas. C'est sympa. Est-ce que j'ai gagné des trucs? Non. Bon ben voilà. Assez intéressant. Je me suis bien amusé. Bon ben la prochaine fois j'essaierai l'autre rat. Je sais plus comment ça s'appelle, Zoxa ou je sais pas quoi. Bon ben sur ce, je m'en vais. Et à une prochaine, je sais pas quand.